Eugène, je vous garantis que je peux faire de votre enfant un génie. Sam Cook, docteur en médecine, membre de la faculté de médecine australasienne, docteur en sciences, master en administration, tourna son regard plein d'assurance d'Angela à Bill, puis de nouveau vers Angela, comme s'il les mettait au défi de dire le contraire. Angela finit par s'éclaircir la gorge. Comment Cook ouvrit un tiroir et en tira une petite section de cerveau humain, prise en sandwich dans du plexiglas. Savez-vous de qui cela vient Vous avez trois essais. Bill se sentit soudain très mal à l'aise. Il n'avait pas besoin de trois essais, mais il n'ouvrit pas la bouche. Angela secoua la tête et dit avec impatience. Je n'en ai aucune idée. « Le plus grand esprit scientifique du XXe siècle, tout simplement. » Bill, consterné mais en même temps fasciné, se pencha en avant et demanda « Comment vous l'êtes-vous »« Comment je me le suis procuré Eh bien, le type qui a fait l'autopsie en 1955 était du genre entreprenant. Il a gardé son cerveau en souvenir avant la crémation. Bien évidemment, il a été assailli de requêtes provenant de groupes divers désireux d'en étudier des morceaux, de sorte qu'au fil des ans... Le dit cerveau s'est retrouvé découpé et éparpillé aux quatre coins du globe. Les fichiers indiquant qui avait quoi ont été égarés à un moment donné. La plupart des échantillons ont de fait disparu, mais quelques-uns sont remontés à la surface lors d'une vente aux enchères à Houston il y a quelques années, en même temps que trois os de la cuisse d'Elvis Presley. Je pense que quelqu'un était en train de liquider sa collection. Naturellement, ici, à Potentiel Humain, nous avons enchéri sur une tranche de cortex en parfaite condition. 500 000 dollars US. Je ne me rappelle pas combien ça fait au gramme, mais <laughs> ça les vaut. Parce que nous connaissons le secret. Les cellules gliales. G g g Elles fournissent une sorte. De matrice structurelle dans laquelle s'enchassent les neurones. Elles remplissent également un certain nombre de fonctions actives que nous ne comprenons pas encore totalement, mais nous savons que plus il y en a par neurone, plus il y a de connexions entre ceux-ci et plus le cerveau est complexe et puissant. Vous me suivez jusque-là Eh bien, ici, poursuivit-il en montrant l'échantillon, le tissu contient près de 30% de cellules gliales en plus par neurone que ce que l'on trouve chez le crétin moyen. Bill perdit soudain le contrôle de son tic facial et se détourna avec de petits bruits de détresse. Angela jeta un coup d'œil à la rangée de diplômes encadrés sur le mur et remarqua que plusieurs d'entre eux provenaient d'une université privée de la Côte Dorée qui avait fait faillite une dizaine d'années auparavant. Elle hésitait encore un petit peu à mettre son futur enfant entre les mains de cet homme. Elle avait été impressionnée par la visite du siège de potentiel humain à Melbourne. De la banque de sperme à la salle d'accouchement, le matériel brillait, c'était sûr. Et des gens qui avaient la responsabilité de plusieurs millions de dollars en superordinateurs, équipements de cristallographie à rayons X, spectromètres de masse, microscopes électroniques, etc., devaient savoir ce qu'ils faisaient. Mais elle avait commencé à avoir des doutes. Quand Cook leur avait présenté son projet favori. Trois jeunes dauphins dont l'ADN contenait des grèves de gènes humains. Nous avons mangé les sujets ratés leur avait-il confié avec un soupir de béatitude gustative. L'objectif avait été d'altérer la physiologie de leur cerveau afin qu'ils puissent maîtriser la parole et les modes de pensée humains. À strictement parler, c'était réussi. Mais Cook s'était montré incapable de lui expliquer pourquoi les créatures ne conversaient qu'en vert. Angela considéra le fragment gris avec scepticisme. Comment pouvez-vous être sûr que c'est aussi simple que ça Nous avons mené des expériences, bien sûr. Nous avons localisé le gène codant pour le facteur de croissance qui détermine le rapport des cellules gliales aux neurones. Nous pouvons contrôler dans quelle mesure il est activé et donc, quelle quantité de facteurs est synthétisée, c'est-à-dire finalement le rapport en question Pour le moment, nous avons essayé de le réduire de 5%, ce qui provoque une chute moyenne de 20 points au QI. De sorte que, par simple extrapolation linéaire, si nous accroissons le rapport de 200%, Angela fronça les sourcils. Vous avez délibérément produit des enfants d'intelligence réduite Détendez-vous. Leurs parents voulaient des athlètes de niveau olympique. Ces 20 points ne vont pas leur manquer, en fait. Ça les aidera probablement à supporter l'entraînement. De plus, nous aimons l'équilibre. Nous donnons d'une main et reprenons de l'autre. Ce n'est que justice. Et notre système expert en bioéthique nous a dit que c'était tout à fait acceptable. Qu'est-ce que vous allez prendre à Eugène Cook prit un air blessé. Il faisait ça très bien. Ses grands yeux marrons, tout autant que sa réussite professionnelle, avaient propulsé son visage en première page d'une dizaine de magazines à couverture glacée. Angela, votre cas est spécial. Pour vous et Bill et Eugène, je vais enfreindre toutes les règles.